Voilà, bonjour et bienvenue dans les talks de Shine to Lead de Jigen Jang Teki. Ou bien bon, si vous préférez, je vais essayer une petite traduction. Si c'est pas la bonne traduction, les filles, les panélistes, n'hésitez pas à corriger. Shine to Lead ou bien Briller en Leadership est une association qui s'active dans le secteur de l'éducation, principalement de l'accompagnement des filles très très brillantes et parfois issues de milieux modestes. Et Shine to Lead, créé par la grande Naye Bathily, Madame Bathily, et ce depuis 2 ans, pratiquement disons 3 ans, accompagne les filles. Et puis bon, disons que cet accompagnement, c'est en plusieurs axes. Le premier axe, il faut le dire, c'est la mobilisation de fonds afin de trouver des bourses à ces filles, mais aussi l'autre aspect, trouver des fonds, oui, pour les bourses, mais aussi les frais annexes tels que le transport, les fournitures. Ça, c'est le premier point, la mobilisation de fonds. Le second point, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est pour Shine to Lead de trouver pour chaque fille un coach, une fille. Un coach, une coach, une personne chargée d'accompagner la fille pour quand même qu'elle puisse avoir la culture de l'excellence, la culture de la solidarité, la culture de la générosité. Le coach ou bien la coach est là pour tendre la main à la fille, prêter l'oreille, aider, soutenir la fille et essayer de la pousser de l'avant. Maintenant, bon, en plus du mentorat, parmi les activités de Shine to Lead, il y a aussi la formation. Qui dit formation dit peut-être école. Qui dit formation dit certes cours, accompagnement, renforcement côté école, mais aussi Shine to Lead ne prend pas seulement en charge le volet école. Shine to Lead accompagne les filles volet leadership, la formation en leadership. Car c'est capital pour pour avoir une certaine crédibilité. Il faut quelque part savoir s'imposer. Et ça demande un accompagnement. Et Shine to Lead fait son maximum pour être un support, pour être au chevet des filles, savoir écouter des filles. Et bon, le dernier acte posé, toujours par rapport à l'accompagnement récemment, c'est avec la pandémie qui secoue le Sénégal, qui secoue l'Afrique, qui secoue le monde, qui secoue l'humanité. Récemment, Shine to Lead a organisé des cours en ligne. Des cours en ligne, pourquoi? Des cours en ligne pour que ces filles-là puissent faire face à la nouvelle situation. Ces cours en ligne pour que les filles ne décrochent pas, parce que bon, vous le savez, nous le savons, elles sont très, très, très souvent exposées. Pourquoi? Parce que bon, elles ont à la maison certaines responsabilités, certaines charges de travail. Et là, Shine to Lead est là pour accompagner, pour veiller à ces filles-là qui très souvent sont engagées, sont déterminées, mais manquent de support. Et aujourd'hui, je pense que ce support-là, les filles, parfois bien certaines filles issues de milieux modestes, peuvent compter sur Shine to Lead. Parmi les activités de Shine to Lead aussi, il y a les talks. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes au 16e talk. C'est avec un énorme plaisir que nous le partageons avec vous. Talk autour de l'éducation, talk autour du COVID-19, de l'impact que cette pandémie a eu pratiquement dans tous les secteurs de la vie, et particulièrement dans le secteur de la santé, de l'éducation. Je pense que COVID-19 a eu à révéler des failles de nos systèmes, que ce soit le système sanitaire, que ce soit le système éducatif. Et aujourd'hui, chacun de son côté essaye de trouver la solution. Et je pense que ça rejoint bien le thème de cette année pour la Journée mondiale de l'éducation, qui est comment
comment relancer, comment redynamiser le secteur de l'éducation, mais aussi comment accompagner la génération COVID à revenir, à rebondir et puis bon, à rester sur le chemin de l'excellence. Nous le savons, c'est pas un chantier facile, c'est pas un défi facile à relever, mais normalement, ensemble avec chacun, nous pouvons y arriver. Et je pense que le Sénégal peut compter sur ses fils qui s'activent dans le secteur de l'éducation, qui s'activent dans le secteur de la santé, qui s'activent dans tous les secteurs pour relever le défi. Et parmi ces fils du pays, parmi ces hommes du pays, parmi ces grandes dames du pays, le Sénégal peut compter sur une certaine Maimouna Ley. Vous permettrez, chers panélistes, que je commence par cette grande dame qui fait énormément de choses pour l'éducation, qui fait énormément de choses pour les filles. Maimouna, bienvenue. C'était le discours introductif autour de l'éducation et la pandémie avec les actes que pose Shine to Lead. Shine to Lead qui aujourd'hui nous réunit autour de ce thème. Qui est l'éducation avec la pandémie. En tout cas, à votre niveau, vous faites un excellent travail. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, d'échanger et afin d'espérer trouver des solutions parce que les impacts sont là, les conséquences sont là, les initiatives sont là, mais aussi nous allons vers des perspectives. Maimouna, bismillah, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Astou, bonjour Shérif Massamba, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je profite aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent et surtout remercier Chain to Lead que je suis depuis le début, depuis la création, avec qui j'ai eu à faire des activités et qui effectivement font énormément de choses dans le cadre de l'éducation, notamment pour les filles et en particulier dans la banlieue dakaroise. Alors, pour me présenter, je me nomme Madame Leïmé Monadérate. Je suis professeure de français de formation et actuellement, je suis au niveau de la direction de la formation professionnelle et technique au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique et de l'insertion. Et je suis là en ma qualité de présidente d'une association qui se nomme Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, une association qui, comme son nom l'indique, a pour principal objectif l'intégration du numérique dans le secteur dans le système éducatif sénégalais, le système éducatif et de formation, pour en fait contribuer à la qualité de cette éducation-là et à sa démocratisation, notamment en formant les enseignants et les élèves. Donc, c'est avec plaisir que nous répondons à cet appel de Change to Lead et c'est un réel plaisir de retrouver ici comme modérateur. Merci. Merci beaucoup à Maïmouna qui sera avec nous durant tout le long de ce talk. Nous serons aussi avec Michel Ndiaye, Chérif. Michel Ndiaye, bonjour. Chérif. Oui, bonjour Astou. Voilà. Allô? Oui, je vous entends. Voilà, là, nous vous recevons 5 sur 5. Merci d'être avec nous ce matin pour le talk de Shine to Lead. C'est aussi un plaisir de vous retrouver. À vous aussi, merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Vous avez une idée du nombre de vidéos publiées par vous jusqu'ici? Vous arrivez à compter? À compter, oui, parce qu'on a un monitoring, mais permettez-moi d'emblée de saluer en tout cas mes copanélistes, Maïmouna Massamba et toi en tant que modératrice. Mais par ailleurs, ceux qui nous, je veux dire, ceux pour qui on organise ce panel, donc il y a Adiaseinabou, Rokhaya, donc Rugiatou plutôt. Ndeye, remercier les autres internautes qui nous suivent, voilà, depuis leur salon, leur lieu de travail, ou un peu partout au Sénégal et ailleurs dans le monde. Pour revenir à ta question, oui, j'ai une idée du nombre de cours qu'on a mis en ligne sur notre plateforme École au Sénégal, à l'heure où nous sommes à 1813 cours. Donc, 1813 ressources disponibles sur la plateforme. Donc, Et sachant que dans toutes les matières?
Oui, dans toutes les matières, mais à dominance scientifique. Ça veut dire aujourd'hui, 80% quand même de nos cours sont orientés STEM, mathématiques, sciences physiques, SVT, et un peu de philosophie. Nous avons démarré par les classes de terminale, donc les classes de terminale scientifique. Aujourd'hui, un élève qui est en terminale S1, à l'intégralité, S1 comme S2, à l'intégralité donc, du programme en sciences physiques, en mathématiques, en SVT, en philosophie, une bonne partie en histoire, géographie et anglais donc sur École au Sénégal. D'accord, donc il y a de la matière. Oui, il y en a. Merci beaucoup, Chérif Niaï, fondateur de École au Sénégal. Vous aussi, à vous aussi, merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation au Sénégal. Avec nous aussi, Massamba Tian, journaliste. Massamba. Oui, bonjour. Bonjour, ma chère Astou. Bonjour. Bonjour, très, très cher Massamba, chef de la division radio-télévision scolaire au ministère de l'éducation nationale. C'est aussi un plaisir de vous retrouver et de parler éducation avec vous, secteur, domaine que vous connaissez très bien, Massamba. Oui, merci beaucoup, Astou. Je pense que le plaisir est partagé. C'est un grand honneur de participer aussi à ce panel. Bonjour à tout le monde, déjà Chérif que je vois. Bonjour à Rubiatou, donc ce sont les élèves, à Jassé Nebou, à Ndei Jong, donc à tout le monde, à la grande doyenne aussi. Alors, ce que je voulais dire, c'est véritablement dire que ce que China to Lead est en train de faire est extraordinaire. Moi, j'ai eu à les rencontrer à l'occasion donc d'une de leurs manifestations. J'avoue que j'ai eu à côtoyer des élèves, j'ai interviewé quelques élèves, mais j'étais véritablement séduit, d'abord par le choix de ces élèves, par rapport à leur milieu familial, par rapport également à l'environnement scolaire dans lequel ces élèves évoluent un peu dans la banlieue, mais véritablement leur engagement et le leadership qu'on est en train de déceler chez ces élèves. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et il faut leur souhaiter vraiment bon vent, parce que je pense que il y a encore de l'espoir et moi je reste toujours convaincu que notre système éducatif, l'école publique sénégalaise a de l'avenir, Astou, et te féliciter véritablement déjà pour l'entrée en jeu. Je pense que on a déjà dégusté un bon plat qui va être servi. On espère bien. C'est une petite villageoise de Malikunda qui s'essaye au TIC. Je n'ai pas l'habitude de parler à des personnes qui ne sont pas très, très proches de moi. Mais bon, on va quand même essayer parce que bon, COVID nous l'impose, la situation nous l'impose, la pandémie nous l'impose. Il faut savoir se réadapter à la situation. Maintenant, bon, on va essayer, Massamba, avant de donner la parole aux filles, à ces graines de leaders qui font la fierté de tout un pays. Nous allons vous donner la parole pour essayer peut-être, Massamba, de revenir sur le film, pratiquement, si je peux l'appeler ainsi, le film du COVID par rapport au système éducatif sénégalais. Je pense que tout est parti un certain 16 mars 2019 que nous ne sommes pas prêts d'oublier en tant que parents d'élèves, en tant qu'enseignants, en tant qu'acteur du système éducatif sénégalais. En tout cas, c'est plutôt une date qui à jamais restera marquée quelque part dans notre histoire, disons tout simplement dans l'histoire du Sénégal. Oui, merci Astou, merci beaucoup. On va véritablement revenir sur les 360 jours chrono. Et je pense que vous avez dit tout à l'heure, le 13 mars, effectivement, date de la fermeture des écoles. Mais d'abord dire que déjà, le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré le premier cas. Et c'est à partir de ce moment que d'abord l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, dans le souci de sensibiliser, organise une leçon de vie à Wakam, à l'école Wakam Khan. Ça, c'était vraiment le premier acte que l'État du Sénégal a posé pour déjà demander à toutes les écoles du Sénégal de faire de même. Ensuite, le 13 mars, effectivement, le président de la République, pour véritablement protéger ces millions d'enfants, a décidé la fermeture des écoles. Alors, aussitôt après, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale,
met en place ce qu'on appelle l'initiative Apprendre à la maison. Une initiative qui avait déjà beaucoup de partenaires à travers les différents médias, au moins, et je citerai surtout l'initiative grandiose que TFM avait déjà prise avec l'émission phare qui était animée par, effectivement, Mme Assoumbène, que vous êtes, avec Massamba Gueye. D'autres médias ont suivi. Donc ça, c'était véritablement les initiatives connexes qui ont démarré avec l'initiative Apprendre à la maison. Le mercredi 17 juin, effectivement, en conseil des ministres, les écoles étaient fermées, les élèves étaient restés à la maison. Les gens ont essayé de les accompagner avec des émissions, avec des plateformes. Je citerai surtout les initiatives de Shérif avec Écolo Sénégal, avec beaucoup d'autres partenaires. Les élèves qui sont restés à la maison, évidemment, continuaient à faire ce qu'on appelle de la continuité pédagogique avec le coaching de leurs parents, de leurs aînés, mais aussi de leurs enseignants. Le mercredi 17 juin 2020, après le Conseil des ministres également, le président de la République demande qu'on réouvre les écoles. La première tentative devait normalement permettre de convoyer plus de 50 000 enseignants. Malheureusement, cette tentative a avorté. Et aussitôt après, le 25 juin 2020, les choses ont repris. Et pour les classes d'examen, heureusement, donc les élèves ont repris les cours. Et les cours, le 20 août 2020, les examens ont démarré avec le CFE, puis le 14 septembre avec le BFM, et ensuite le baccalauréat. Et à terme, les examens se sont déroulés. Il y a eu des résultats qu'on peut rappeler, 48,22% au bac, 74,51% au BFM, 72,4% au CFE. Voilà à peu près la grande astuce. Comment, véritablement, en presque 4 ou 5 mois, vraiment ce qui a été fait vraiment sur l'année scolaire, une année qu'on a sauvée, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais je pense que l'année a été sauvée simplement parce que à côté du ministère de l'Éducation nationale, il y a eu beaucoup de partenaires. Et tout à l'heure, je l'ai dit, les plateformes, les initiatives, le numérique réellement est entré désormais dans nos écoles. Évidemment, on en avait déjà, mais avec l'accompagnement de tous ces partenaires, comme École au Sénégal, comme TFM, comme toutes les autres plateformes, chacun a essayé quand même de faire. Et c'est le lieu d'encourager tous ces élèves qui peut-être ont vécu une année assez laborieuse. Les classes d'examen, heureusement, ont pu reprendre. Les autres devaient faire des cours intermédiaires. Ils ont profité également des sites, ils ont profité des plateformes. Mais saluer surtout les enseignants, parce que je pense que sans les enseignants... J'allais vous souligner l'engagement, oui. Vous l'avez dit, j'allais le souligner, l'engagement des enseignants, mais aussi leur abnégation. On peut dire ils étaient pratiquement des soldats de l'éducation, ils l'ont toujours été, et durant cette période, ils le sont restés. C'est ça, et surtout, je pense qu'on se rappelle toujours de la phrase célèbre de Saourou Sen, un syndicaliste qui disait que autant les médecins sont au front, autant la sécurité nationale est au front, autant les enseignants également doivent être au front. Saluer aussi l'initiative prise par le ministère de l'Éducation nationale à travers une démarche très inclusive qui a mis à contribution les parents d'élèves, les partenaires, donc les syndicats d'enseignants, tous les acteurs pour véritablement arriver à ce point, à ce point. Merci beaucoup Massamba pour ce rappel. Merci beaucoup en tout cas parmi ces soldats en première ligne pour le système éducatif sénégalais. Il y avait aussi un certain Shérif Ndiaye. Monsieur Ndiaye, peut-être nous avons écouté Massamba revenir sur ces faits saillants qui ont marqué le système éducatif sénégalais avec la pandémie. Je pense aussi, n'avez-vous pas l'impression que ce que nous avons vécu avec COVID est juste inédit? C'est vrai, nous avons connu les années 88, nous avons connu, je pense aussi, mai 68, nous avons connu des mouvements de grève qui ont duré plusieurs mois, mais ce qui se passe avec COVID est juste inédit. Merci. Je veux d'abord remercier Massamba pour l'historique
en tout cas, qu'il a pu nous, nous servir, hein, mais vraiment dans les détails et les bonnes dates. C'est vrai, la pandémie, personne ne s'attendait à un tel changement de comportement au niveau donc, global. Changement qui montre aujourd'hui on se protège quasiment tous. Ça veut dire qu'on a nos masques. Changement de comportement quand tu pars même dans une banque. Avant, il fallait, quand tu avais un masque, tu ne pouvais pas entrer. Mais aujourd'hui, il faut avoir un masque donc, pour pouvoir entrer. Ça montre comment est-ce que le monde a basculé, je veux dire, d'un coup à cause de cette pandémie-là. Maintenant, ça a donné également des opportunités à certains, comme nous. Je veux dire, on était dans le numérique et on a toujours cru que le numérique est un accélérateur de changement à tous les niveaux. Ça veut dire, quand je dis accélérateur, c'est que ça donne un rythme que souvent l'être humain ne peut pas mesurer parce que l'univers des possibilités est large. Pour parler un peu... C'est l'un des points positifs, l'un des points positifs de la pandémie, peut-être. Oui, c'est un point positif. Si vous regardez l'ensemble, en fait, aujourd'hui, on parle de crise, mais toutes les entreprises qui sont dans le secteur numérique ont vu quasiment leur chiffre d'affaires mais multiplié de manière exponentielle. Si, pour certains, on ne le voit pas parce qu'on pense que c'est du gratuit, mais c'est une fausse gratuité. Aujourd'hui, on est en train de faire donc, un webinaire sur Zoom où on pense qu'on ne paye pas, mais il y a quelqu'un qui supporte, je veux dire, ces coûts-là. Et ça a changé beaucoup de choses. Des frais de voyage, je veux dire, qui étaient tout le temps imputés peut-être aux citoyens lambda, parce que c'est le citoyen qui supportait ces séminaires-là, ainsi de suite. Une pollution atmosphérique, ainsi de suite. Donc, le COVID a ralenti ça. Mais quand ces secteurs de l'aviation, du tourisme et autres ont été impactés de manière très, très grave, le secteur du numérique, je veux dire, n'a pas été du tout impacté. Quand vous faites une recherche sur les personnes aujourd'hui les plus fortunées dans le monde et vous voyez leur fortune en train donc de croître à un rythme insoupçonnable, ces gens-là sont quasiment tous dans des ressources également qui se disent des ressources libres, qui se disent des ressources gratuites, mais dont le chiffre d'affaires également dépasse le budget du Sénégal. Cela dit, pour la part d'école au Sénégal, c'était une belle opportunité parce qu'on a vu, comme les autres, donc nos chiffres en termes de connexion sur le site web et les requêtes sur nos serveurs ont explosé. Ça veut dire... C'est un véritable boom. Oui, c'est un boom. Avant, on tournait entre 5 000, 6 000 personnes, en tout cas qui se connectaient par jour. À l'heure où je vous parle, on dépasse quasiment, il y a des jours où on est à 300 000 personnes donc, qui se connectent sur la plateforme. Avant, ceux qui se connectaient, c'était à peu près 40% de la population sénégalaise. À l'heure où je vous... En fait, 40% des élèves hein, qui venaient. Mais actuellement, je veux dire, de 40% au Sénégal, on est à 78% de connexion donc, au niveau du Sénégal. Ça a doublé. Ah oui, non, ça a doublé donc, au niveau du Sénégal, ailleurs dans le monde, parce que c'est des pics. En fait, au mois de mai, par exemple, le mois de mai et de juin, c'était, les connexions venaient quasiment de la France. Comme je l'ai dit, le numérique, c'est ça. Ça veut dire que tu ne sais pas qui vient, qui ne vient pas, à quelle heure est-ce que la personne vient, pourquoi est-ce que cette personne vient également. La France, pourquoi? Parce que les cours en sciences, mathématiques, sciences physiques, SVT, c'est quasiment le même cours un peu partout. C'est quasiment les mêmes programmes. Il y a peu de choses donc, qui changent. Vu que nous, on avait déjà ces cours-là sur notre plateforme, les jeunes qui se préparaient au concours donc, pour faire donc, les prépas, pour le bac, ainsi de suite, ils venaient. L'autre chose, c'est les tranches d'âge.
Je vais y revenir. Avant, sur le site École au Sénégal, la tranche d'âge qui dominait, c'était celle qui avait entre 18 et 22 ans. Donc, c'était 60% à peu près de la population des internautes, suivait donc l'autre tranche d'âge qui avait entre 30 et 45 ans. Ça nous faisait tilt. Quand on a fait une étude, on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants venaient sur notre plateforme peut-être pour apprendre. Et l'étude l'a montré, notamment pour les cours de sciences physiques. On a des professeurs, notamment un qui s'appelle Monsieur Diop, qui est une des stars donc, à la matière, que beaucoup d'enseignants au niveau national donc, suivent. Et il y a des cours clés qu'ils donnent, par exemple sur lumière, onde et corpuscule. L'étude a montré que les nouveaux enseignants, en tout cas en PC, ne maîtrisaient pas ce chapitre. Donc, c'est le chapitre qui est le plus sollicité par la tranche d'âge donc de 30 à 40 ans. Donc, cette segmentation, je ne veux pas monopoliser à peu près la D'accord, la... d'accord. Donc, allez-y. Non, je veux donc clôturer pour dire aujourd'hui, École au Sénégal a été hyper sollicitée, les partenaires également ont répondu donc à cette période-là. C'est vrai qu'on est une entreprise sociale et citoyenne. Il y a forcément des personnes qui supportent le projet. Donc ces personnes-là, c'est des personnes morales. Hein. C'est une fondation. C'était la fondation DOA. Et ça, le Covid nous a permis de signer une convention avec le ministère de l'Éducation nationale qui supporte aujourd'hui 50% des charges d'exploitation d'écoles au Sénégal. Ça veut dire si on a un besoin d'un milliard, le ministère met 500 millions. Voilà. Et c'est grâce à la pandémie tout ça. D'accord. Donc si je comprends bien l'évolution, ça veut dire que le besoin n'était là, mais il n'était pas pris en charge, il n'était pas pris en compte. Les gens n'en étaient pas conscients, si je comprends bien. Le besoin a toujours existé, mais il a fallu la pandémie, il a fallu le COVID-19 pour réveiller ce besoin-là, si je comprends bien, selon l'évolution et les explications. Merci beaucoup, Thierry. Oui, Massamba. Oui, c'était juste pour compléter. Effectivement, comme Chérif l'a dit, on a eu un partenariat très fructueux, vraiment, qui nous a permis, et je vais revenir sur ça après, quand on abordera la stratégie à prendre à la maison. Évidemment, je pense que, comme il l'a dit, hein, cette pandémie a révélé qu'il fallait véritablement aller vers le numérique. Bon, je ne dis pas qu'il n'en avait pas, parce que déjà, Chérif avait École au Sénégal il y a plusieurs années. Je pense qu'on en a déjà parlé dans des émissions, on a déjà consulté ces sites. Le ministère de l'Éducation nationale était également plus ou moins averti, parce qu'il faut dire que déjà, il y a eu un programme qu'on a appelé un projet ressources numériques, déjà qui a été déroulé, donc qui avait permis dans certaines localités comme Kédougou, etc., de pouvoir mettre un dispositif Il faut dire aussi que l'impact, c'est aussi réellement ressenti avec la pandémie, peut-être. Ça, c'est clair. Oui. C'est effectivement avec la COVID, ou le COVID, on verra si on le met au féminin ou au masculin, qu'on a vraiment senti l'intérêt qu'il y avait, surtout la ruée qu'il y avait vers les ressources numériques, vers le numérique. Mais bon, il faut quand même reconnaître que des pas ont été faits, des actes ont été posés, des jalons ont été posés avec ce projet de ressources numériques au Sénégal, avec le projet IFADEM qui a déjà formé des enseignants, avec le système informatique, le CIMEN, et avec également des cours même hein, en vidéo qui avaient déjà été réalisés et diffusés dans des médias. Voilà. D'accord, Massamba. Nous y reviendrons tout à l'heure, Inch'Allah, avec les filles. Bon, le COVID, disons tout simplement le COVID pour le moment, en attendant d'y voir plus clair. Merci beaucoup, Massamba. Merci beaucoup, Chérif. Maintenant, parole à Maïmouna, la doyenne, notre doyenne. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Je vous regarde avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect, beaucoup d'attention, car je connais votre engagement pour l'éducation dans la mesure que nous sommes ensemble dans JIDER et vous faites un excellent travail. Vous êtes très, très engagés. Merci beaucoup. Pour en revenir à la pandémie et à son impact, peut-être écouter
la voix de la maman, la voix de la mère qui du jour au lendemain peut-être peut retrouver tous les enfants à la maison et aussi peut-être cette mère qui n'a pas eu à faire l'école qui se dit comment je vais faire pour accompagner mes enfants. Cette mère qui n'a pas l'outil Internet, cette mère qui ne maîtrise pas l'éthique, cette mère qui n'a pas fait l'école, qui est là face à un mur, énormément de questions sans réponse, ça doit être terrible. Oui, exactement. Permets-moi, Astou, de revenir un peu sur les points évoqués par Massamba et Chérif. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'apprécie beaucoup ce que fait Chérif à travers Écolo Sénégal. Je le suis, Massamba également. Mais nous, en tant qu'acteurs, carrément pédagogues sur le terrain, nous avons compris, comme l'a dit Chérif tout à l'heure, que le numérique était vraiment une plaie pour l'éducation. Mais nous nous sommes dit, c'est bien d'utiliser le numérique, mais il faudrait que les acteurs du système éducatif, à savoir les élèves et les enseignants, qu'ils soient formés. Parce que, en fait, quand je regarde une vidéo en tant qu'enseignante, ça peut me servir, c'est vrai. Mais il serait bon qu'en tant qu'enseignante, je puisse moi-même me servir de l'outil numérique pour enseigner à mes enfants, à mes élèves, et que ces élèves puissent eux aussi utiliser l'outil numérique pour apprendre. C'est pour ça que nous, au niveau de CENOM, depuis 2017, on forme les enseignants. Nous, on s'est focalisé sur la formation des enseignants. Pour qu'ils, Chérif a parlé des STEM. Effectivement, c'est un problème. On se rend compte que aussi bien les filles que les garçons désertent les filières scientifiques. Or, il se trouve qu'avec le numérique, on peut rendre plus ludique ce numérique-là, ces sciences-là. Et c'est pour ça que nous avons formé les enseignants à l'utilisation de logiciels de mathématiques qui permettent de rendre plus ludique l'apprentissage pour les élèves. On a formé aussi les enseignants et les élèves à l'utilisation de Scratch, qui est un système de codage qui permet également de rendre très ludique l'apprentissage pour l'élève et de faciliter également l'enseignement pour les professeurs, les instituteurs, etc. Et avant même que l'école ne soit formée, personnellement, en tant que professeur, j'utilisais déjà Google Classroom dans ma classe au lycée Blaise Diagne. J'avais une classe de première parce que nous, on a démarré la formation à Google Classroom en février, avant même que le premier cas n'apparaisse au Sénégal. Et c'est dans ce cadre que moi, déjà, je faisais de la classe inversée avec mes élèves. Nous avons fait une série de formations avant que l'école ne ferme. Et au moment où l'école fermait, on avait déjà deux classes de formation virtuelle pour les enseignants sur comment utiliser Google Classroom pour enseigner. Et, donc, le système était déjà bien installé chez vous. Parmi les initiatives du ministère, justement, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'initiative Apprendre à la maison, il y avait la formation des enseignants de toutes les IA sur l'usage de Google Classroom. Et dans ce cadre-là, 80% des formateurs étaient des membres de notre association. Moi-même, j'ai formé toute l'IA de Kaolack, enseignement primaire, collège et lycée, pour que les enseignants maîtrisent et le ministère a donné des diplômes, des certificats à ces enseignants. Et nous-mêmes, au niveau de CENOM, nous nous sommes dit, nous allons participer à l'effort de guerre dont parlait Massamba. Et nous avons créé des classes virtuelles d'examen, CM2, terminale, troisième. Et tout à l'heure, tu as parlé à Astou de mères qui ne maîtrisent pas le numérique et qui doivent et qui voient leurs enfants apprendre par le numérique. Quand on a repris les cours pour les classes d'examen, n'oubliez pas qu'il avait été décidé que les élèves qui étaient des cas à risque devaient rester à la maison. Le cas qui m'a le plus marqué, c'est le cas d'un élève de CM2 qui est drépanocytaire, la forme la plus grave et qui ne pouvait pas aller à l'école. Et que sa maman a inscrit dans nos classes, qui étaient des classes virtuelles gratuites, où nous faisions du synchrone et de l'asynchrone. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des cours en direct avec interaction sur Meet et des cours avec dépôt de ressources sur Google Classroom. Cet élève a réussi à son examen de CFE
au premier, il a réussi dès le premier coup. Il y a également des enseignants, des parents plutôt, dont les enfants suivaient les cours en présentiel, mais qui les avaient également inscrits dans nos classes virtuelles. Nous avons eu des retours, des témoignages de parents et d'élèves qui nous ont vraiment marqués. Et ça me permet en fait de passer vers, comment dirais-je, en fait, ce que fait Chine to Lead. Nous, au niveau de CENO, pour toucher les élèves, nous sommes partis de l'existant. Les clubs qui existent, les clubs d'anglais, etc. Nous avons des clubs CENO où non seulement nous formons les élèves pour qu'ils maîtrisent l'outil numérique, mais en plus, nous les préparons à faire un choix de métier lié au numérique. Ainsi, elles font de la robotique, notamment les filles, parce que le club est mixte, de la robotique, du codage, des visites d'entreprise. Nous avons même initié des stages d'immersion en entreprise. Certains élèves ont fait des stages d'immersion et malheureusement, c'est l'un des mauvais coups du COVID. Nous avions programmé un partenariat avec Orange qui devait nous prendre des stagiaires pour 10 jours pendant les fêtes de Pâques, Gain des 2000 et Modèle 6. Tout était acté et malheureusement, avec la COVID et la fermeture des écoles, nous avons dû demander à ces entreprises de surseoir à ces stages que les élèves devaient faire. Maintenant, pour répondre à ta question de tout à l'heure, en tant que maman, je vais partir d'une expérience personnelle que j'ai vécue en tant qu'étudiante en sciences de l'éducation, en master 2 à l'UVS, section technologie, option technologie éducative. J'ai fait mon mémoire par une recherche action sur une plateforme qui a été ouverte par les établissements ELC, une plateforme Moodle, qui était ouverte et qui était destinée gratuitement aux élèves de seconde S. Nous avons invité des élèves de seconde S qui se sont inscrits sur la plateforme, qui ont fait des cours en synchrone et en asynchrone avec des professeurs. Et au final, j'ai fait un questionnaire qui a été adressé et aux parents, aux élèves et aux enseignants. Et en fait, les recommandations qui sont sorties de ce mémoire répondent en fait aux questions qui se posent par rapport à comment relancer et redynamiser l'éducation pour la génération COVID-19. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, et quel que soit son secteur d'activité, tout le monde, personne ne peut nier maintenant le caractère indispensable du numérique pour évoluer. Aujourd'hui, après COVID, forcément, toutes les activités seront reliées au numérique. Maintenant, pour ce qui est... Il faudra essayer de s'adapter et à temps, et il faudra Exactement. Aussi aller vite, très, très vite. Exactement. Et pour cela, il y a une nécessité pour tous les ministères en charge de l'éducation, MESTRI, même comme le ministère de la formation professionnelle, de former les enseignants et les apprenants à l'usage du numérique. D'où de les outiller comme il faut pour qu'ils puissent utiliser ce numérique. Et il y a un point qui m'a le plus marqué dans cette enquête et ce qui fait que j'en fais une recommandation forte. Il faut impliquer les parents d'élèves. Dans les classes en présentiel, dans les écoles, nous avons des associations de parents d'élèves. Dans les plateformes de e-learning, il faudrait un espace pour les parents d'élèves. Qu'ils soient alphabétisés, qu'ils puissent parler ou écrire français ou pas. Il leur faut un espace. Parce que le numérique, c'est vrai, c'est un réel atout, mais qui comporte également beaucoup de pièges. Et il faut une implication, une synergie réelle entre les trois acteurs que sont le personnel administratif et d'enseignement, les parents d'élèves et les élèves, pour que le numérique soit utilisé au mieux dans le cadre des enseignements-apprentissages. Et l'avantage avec le numérique, c'est que c'est inclusif. Même celui qui ne comprend pas au français, on peut lui faire une vidéo ou discuter avec lui en direct, en Wolof ou dans sa langue. Voilà, je m'en arrête là déjà. J'ai commencé à répondre à la question.
Je m'en arrête là en attendant que les autres réagissent ou qu'il y ait d'autres questions. Voilà, merci beaucoup, Madame Leïa Maïmouna Diakhaté, merci beaucoup. Maintenant, je pense que nous avons, à titre introductif, tous les trois panélistes, que ce soit Massamba, que ce soit Chérif, que ce soit Maïmouna. Maintenant, nous allons peut-être dérouler le tapis rouge pour nos grandes leaders. Je pense qu'elles sont là avec nous depuis le début, elles nous suivent. Et elles vont nous accompagner, elles vont prendre le relais. Je vais rester là, je vais peut-être essayer de jouer le pont, mais maintenant les questions, ce sera avec Adia Seynobou Djemé, Rougui Anne, Ndey Jong. Elles sont avec nous, elles sont en terminale S2 pour Adia Seynobou et Rougui, Ndey Jong est, je pense bien, première S2. Adia Seynobou, Rougui, Ndey, vous êtes là? Les filles? Oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Nous allons maintenant dérouler le tapis rouge pour vous, comme je le disais tantôt, pour la grande doyenne. En tout cas, vous aussi, respect et aussi beaucoup d'affection. Vous êtes filles, vous avez choisi une filière bien... les matières scientifiques, ce qui n'est guère facile, mais quand même, vous avez pu braver les obstacles, vous avez pu être pour le moment au sommet. Vous y êtes, essayez au maximum d'y rester. Maintenant, le relais, c'est à vous. Peut-être vous donner d'abord la possibilité de vous présenter. Peut-être je commencerai par Ndey ou bien Ndey Seynobou Adja. Ndey Jong. Bonjour à tous. Et, bonjour Ndey. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ce webinaire. Bon, je me présente d'abord. Je me nomme Ndey Jong. Je suis élève en classe de terminale S1 au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Et je suis très honorée d'être une des lauréates de l'association Shine to Lead, parce que depuis que je suis dans cette association, vraiment, ça ne m'a apporté que du bien. Et déjà, dans le cadre scolaire, il y a la prise en charge de mes fournitures, de l'inscription et de tout ça que les années précédentes, j'avais presque même du mal à assurer avec ma famille et tout ça. Et ce fut un soulagement pour moi, mais aussi pour ma famille, que, d'avoir intégré l'association Shine to Lead. Et dans le cadre aussi du mentorat, j'ai ma mentor. Elle s'appelle Ndey Fatou Touré. Elle m'accompagne beaucoup, elle m'appelle, elle prend de mes nouvelles, on discute, elle me donne des conseils. Et vraiment, je sens qu'elle est là comme une grande sœur. Et ce qui m'a le plus plu, en fait, dans le programme de mentorat, c'est qu'en étant fille, d'abord, je prends mon cas, la plupart du temps, on se dit que la fille, elle ne doit pas aller à l'école, elle doit juste être au foyer, apprendre les tâches ménagères parce qu'elle est appelée à l'avenir à devenir une femme au foyer, comme on dit très souvent dans notre société. Mais avec le programme de mentorat, déjà là, tu vois une femme qui a fait ses études, elle a fait son parcours et qui a réussi. C'est un modèle de réussite en fait que tu as là. Et donc, ça me poussait à me dire que bah, ça, toutes ces choses-là, qu'on se dit que les filles doivent rester à la maison, s'occuper des tâches ménagères, moi, je me dis que ça, c'est révolu en fait. Parce que je vois là, genre, une femme qui a réussi dans un domaine et je me dis que pourquoi pas, est-ce que moi, je ne peux pas faire comme elle. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que bah, je vais attaquer la série scientifique, même si au début on me disait bah, c'est dur, il faut laisser ça aux hommes, ils vont pouvoir faire ça mieux que toi, donc c'est dur, ça demande beaucoup d'efforts. Mais je me suis dit que qu'on soit garçon ou qu'on soit fille, on a les mêmes capacités en fait. Ce que le garçon peut faire, la fille aussi doit pouvoir faire ça, et peut-être même mieux que le garçon. Donc, je me dis que là, je me lance. Je vais faire la série S et de surcroît la série S1, pourquoi pas, et atteindre mes objectifs, parce que je me dis que j'ai le potentiel et la capacité de pouvoir réaliser quelque chose
de pouvoir réaliser mes rêves. Et du coup, c'est pour ça que je suis restée en série S et je compte bien, avec l'aide de Dieu, réaliser mes projets et mes rêves aussi. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeye. Merci à Shine to Lead. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre. Ça fait plaisir de vous écouter. Ça veut dire que de la bonne graine, il y en a encore. Des filles, des jeunes qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, il y en a encore. Ce pays compte, regorge énormément de talents et vous en faites partie. En tout cas, fière de vous, Ndeye. Toutes nos félicitations. Juste revenir par rapport au choix de la série scientifique. J'imagine que ça demande beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices. Et parfois, à l'école, on disait il suffit juste de regarder la coiffure des élèves qui sont en série S et la coiffure de celles qui sont, ou bien de ceux qui sont en série L, et vous vous rendez compte facilement de l'engagement, de la différence et du temps de travail. Ouais, c'est beaucoup c'est de sacrifices qu'on imagine. Parce que ça demande énormément. Oui, ça demande énormément de sacrifices. C'est pourquoi, depuis le début, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas un amour du travail, bien avoir une passion en fait par rapport à ce que tu fais, dès que ça va chauffer, parce que c'est inévitable, ça va sûrement chauffer, alors là, il y a l'abandon qui est là. Alors que si tu es déterminé, tu as le courage, tu veux atteindre ça, tu dis que ça, c'est mon objectif, ben là, ça, je vais atteindre ça, je peux le faire. Du coup, tu as la motivation suffisante pour pouvoir affronter les difficultés. Même si ça devient dur, on donne le meilleur de nous-mêmes et on essaie de décrocher l'objectif qu'on s'est fixé. Ça chauffe toujours ou bien ça chauffe de temps en temps ou bien ça chauffe au quotidien? Non, ça chauffe pas au quotidien en fait. Mais il y a des moments où là, vraiment ça devient dur et je pense que même que la vie, elle s'est faite. Ouais, il ne faut pas toujours aussi se dire que moi, j'aime la facilité. Parfois, il faut aller, en fait, essayer de connaître ses limites et faire en sorte de les dépasser. Parce que pour moi, c'est ça, la vie, en fait. Parce que savoir repousser ses limites, c'est ça. Merci beaucoup, Ndeye Jong. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous écouter. Et je pense aussi que c'est le cas pour les autres panélistes. Ça veut dire que vous êtes décidés à aller jusqu'au bout. En tout cas, ça va aller, Inch'Allah. Comme on a l'habitude de dire, avec courage, abnégation et détermination, nous arrivons toujours au sommet de cette montagne. Quelle réussite après Ndeye. Maintenant, nous allons donner peut-être la parole à Adiaté Nobu ou bien Rubiatou, vous dire qu'elles sont toutes en série S. Ney est en série S1, en tout cas, dans la fin, en fait. Fière de vous, je suis fan de vous. Vraiment, je vous regarde avec beaucoup de respect. C'est aussi pareil pour Rubiatou, c'est aussi pareil pour Adiaté Nobu. Maintenant, la parole à Rubiatou, elle a choisi la série scientifique et j'imagine, comme vous, elle se bat au quotidien. Rubiatou, bienvenue. Oui, bonjour, madame. Bonjour, Rougui, vous allez bien? Ça va, je vais bien. Non, c'est pas grave, dites Astou comme tout le monde, Rubiatou. Bienvenue. Bon, vous aussi, vous avez... Rastou, c'est comme vous voulez, non? Rougiatou. Alors, vous aussi, vous êtes en série S. On imagine, comme Ndeye Sohna, vous connaissez les difficultés des matières scientifiques au quotidien. D'abord, je vous laisse vous présenter, Rougiatou Anne. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rougiatou Anne. Vous êtes en terminale. Je suis en terminale S2, au lycée de Commissaire. Oui, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Quant à l'association de Shine to Lead Mom, elles sont les meilleures. Elle est composée que des filles, mais des filles qui sont braves vraiment. Elles nous accompagnent non seulement du côté financier, mais aussi social. On partage avec eux nos problèmes, nos soucis. On peut leur dire même ce qu'on ne peut pas dire à nos parents. Et elle gère ça sans le dire à personne. Elle gère ça toute seule.
même du mentor avec les mentors et tout. Elles nous appellent, elles sont là dalle pour nous. Chapeau à elles. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, Rubia Touane. Alors, comment est-ce que ça se passe en terminale S2? Ça va? Tout se passe très bien? Vous arrivez à dormir, à manger correctement? Pas beaucoup de stress, pas beaucoup de tension? Avec les étudiants, on ne peut pas être... On ne peut pas vouloir quelque chose sans se stresser d'être. Parce que le stress, c'est dans la vie, je peux dire. Parce qu'avec les études, tu penses à beaucoup de choses, à tes parents, aux difficultés, comment faire pour réussir ta vie, tout ça. Ça nous a stressé d'abord. Mais avec la série S-Mom, c'est vraiment difficile. Pour dire vraiment, c'est difficile. Mom. Mais on tient le coup parce que avec le boulot qu'on va faire pour l'avenir, ça va avec la série scientifique d'Amoada, c'est ça qui me laisse là-bas. Et Rubiatou, qu'est-ce que vous comptez faire plus tard? Vous comptez aller dans le secteur de l'aéronautique? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Heureusement que vous avez une source de motivation, les parents. Après mes études, je veux me lancer dans la médecine. Dans la médecine. Ah, magnifique. J'imagine pour sauver des vies. Oui, sauver des vies, peut-être être spécialisée, tout ça. J'aime la médecine. Là. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis longtemps. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, Rubiatou. Nous reviendrons à vous, Rubiatou, Terminal S2. Il y a aussi Adja Seynobou Djemé qui est avec nous et nous allons, je pense, la retrouver du côté de Rufisque au lycée Abdoulaye Sadji. C'est bien ça, Adja Seynobou? Non, c'est au lycée l'imam là de Guéjouaï. Ah, magnifique. Je pense donc le lycée Abdoulaye Sadji, c'était avec Ndey Jong. Adja Seynobou au lycée Lima Moulay aussi, lycée Lima Moulay, grenier de savoir, grenier de talent. En tout cas, c'est un lycée magnifique. La preuve avec le concours général, ils sont tout le temps sur le podium et nous savons que c'est pas très très évident dans la banlieue dakaroise, mais en tout cas, ils ont tout le temps en bandoulière la motivation, l'amour du travail, la réussite, le succès. Afin d'aider les parents. Adja Seynobou, bismillah, ravi de vous retrouver aussi. Adja? Alors, merci, mesdames et messieurs, mes très chers camarades. Bonjour d'abord. Alors, je me présente, je me nomme Adja Seynobou Djemé, je suis élève en classe de terminale S2 au lycée Lima Moulay de Guéjouaï. Et je suis lauréate de l'association Shine to Lead et j'en suis très honorée. Aujourd'hui, je suis côtoyée pour participer à ce webinaire, d'autant plus que le sujet nous concerne directement et nous avons beaucoup de questions à ce propos. Nous vivons parfois des moments de doute du fait de cette situation. Voilà, et c'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci beaucoup, Adja. Peut-être juste revenir sur votre parcours, le choix de la filière des matières scientifiques. Avez-vous eu des appréhensions? Avez-vous eu des craintes, des moments de doute? Avez-vous eu, à un moment donné, envie de reculer? Ah oui, ça arrive souvent. Comme je l'ai dit tantôt, on a parfois des moments de doute. Surtout avec ces situations, voilà, vraiment... On se dit vraiment, est-ce que ça va aller, quoi? Parce que c'est vraiment pas facile de vivre ces situations. On se dit, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que nous aurons le niveau? Est-ce que nous serons au taquet? Déjà, avec ces arrêts de cours, c'est vraiment pas facile, d'autant plus qu'on fait la filière scientifique. Il y a des notions qui nous ont échappé, qu'on a essayé de maîtriser quand même. Mais bon... Ça reste quand même. On a toujours des moments de doute. En tout cas, pour moi, je stresse beaucoup à ce propos. Je me dis, même si on a le bac et tout ça, j'espère qu'on sera au taquet. Après, qu'est-ce qu'on va faire?
à l'avenir, les études supérieures qu'on devrait suivre. Est-ce qu'on pourra surmonter tout ça, on pourra gérer tout ça? Je me pose la question. Surtout aussi, je pense que nous, on a plus de chance, surtout avec les classes intermédiaires, je pense qu'elles sont plus, touchées négativement parce que, par exemple, quand tu fais la classe de seconde, tu es là l'année dernière, tu n'as pas fini ta classe et maintenant, nous sommes là, tu es là en première, tu passes quand même, tu n'as pas fini la classe de seconde, alors que la classe de seconde est vraiment très complexe et maintenant, tu viens, tu fais ta classe de première. Et voilà, il y a toujours ces perturbations. Il y a la crise sanitaire, elle n'est pas encore finie, elle est toujours là, on vit avec. Et puis, il y a plein de polémiques autour de cette maladie. On ne sait pas si on va encore revivre la situation qu'on a vue l'année dernière. On ne sait pas, on se pose la question. Donc, quand tu es dans cette classe intermédiaire, tu te poses la question, est-ce que je vais encore rater ma classe de première et après venir faire la classe de terminale? Pour moi, c'est vraiment un déclic. On se pose la question. Moi, je me pose plus la question pour eux. Nous, par exemple, quoi qu'il arrive, on va faire le bac quand même. Mais eux, ils sont plus touchés. Voilà. D'accord. On se pose beaucoup de questions. D'accord. D'accord. Adiassé Nobou, chers panélistes, je pense que vous avez entendu le discours, les inquiétudes, les appréhensions, les craintes principalement de Adiassé Nobou. Peut-être Adiassé Nobou, les panélistes vont essayer d'apporter une réponse ou bien des esquisses à toutes ces préoccupations. Maïmouna, Massamba, Chérif, on sent beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de zones floues, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'appréhension chez Adiassé Nobou. Et je pense que c'est le cas pour bon nombre d'élèves au Sénégal. Peut-être Chérif, Maïmouna, Massamba. Merci. Hein. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les trois lauréates que je félicite déjà. Et ce n'est pas pour rien que Shine to Lead les a choisis. On voit l'abnégation qu'elles ont pour les études. Adiassé Nobou est quelqu'un de très empathique. C'est rare et c'est important, je pense, de se mettre à la place des autres. Et ça prouve que vous n'êtes pas égoïste. Pensez à vos jeunes sœurs et jeunes frères qui sont dans les classes inférieures, voir s'ils pourront terminer ou pas donc le programme, aller valider l'année ou pas. Il n'y a pas de doute. Je pense que l'autorité, Massamba reviendra, n'a pas intérêt à ce qu'une année soit invalidée. Le conseil que je peux donner, c'est bien, mais il faudrait être focus sur sa personne. Focus sur ce que vous souhaitez faire donc plus tard. Et pour ça, ça demande d'être dans un environnement mais serein. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir des outils, parce qu'on est en train de faire cette conférence-là à distance. Grâce à vos smartphones, vous avez la possibilité d'apprendre à vos guises, à votre rythme, d'avoir également toutes sortes donc de contenus, toutes sortes plutôt de contenus. Il est important que vous soyez, à mon avis, hein, généreux vis-à-vis de vous-même en termes donc d'efforts intellectuels à mener. Il faudrait se sacrifier, c'est pas évident. Vous êtes dans des filières qui sont des filières aujourd'hui très rares. Hein. Peu de femmes embrassent en tout cas ces filières-là pour X et Y raisons. Vous avez fait 13 ans d'études pour en arriver. Ça veut dire si vous n'avez pas repris une place, vous avez fait 13 ans d'études pour arriver donc en classe de terminale. C'est quand même une bonne partie de votre vie. Il est important, à mon avis, de valider cette classe-là et de le valider de la meilleure des manières possibles. Parce que plus
Je pense que vous avez de bonnes notes, une bonne moyenne. Plus vous avez la chance, en tout cas, d'avoir donc des ouvertures. Okay? En vous écoutant, on sent un potentiel, un vrai donc, potentiel. Et je vois pourquoi Astou donc, parlait donc, de grenier. Donc, c'est de bonnes graines, en tout cas, qui sont là. N'ayez pas peur. C'est bien de penser aux autres, mais pensez à vous d'abord. C'est pas être égoïste, hein, mais ça vous permet de pouvoir plus tard aider les autres. Parce que si vous-même vous êtes vulnérable, vous êtes dans une situation où vous aurez du mal à aider. Il est important d'avoir de l'empathie, effectivement, ça vous permet de pouvoir savoir ce que l'autre ressent, ok? Mais le fait de savoir, de connaître le mal, c'est bien. Il est meilleur donc de pouvoir soigner ce mal-là. Pour soigner ce mal, soyez des exemples. L'exemple que vous devez être, c'est d'être donc l'élève modèle. Après, c'est à vous de vous définir, je veux dire, quels sont vos modèles, donc de succès, de réussite et autres, pour faire donc comme eux ou comme elles. Okay. C'est ce que je voudrais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Juste dire aux filles, vous avez la possibilité de réagir, vous avez la possibilité de rebondir, de poser des questions. En tout cas, n'hésitez pas, exprimez ce que vous ressentez, dites ce que vous avez dans le cœur. Vous avez en face de vous de grands monsieur, de grandes dames, à la personne de Madame Lei Mushindia et Shérif Massamba, qui vont essayer d'apporter des réponses, qui vont essayer de vous rassurer. Maimouna, la voix à la Moa, la voix à l'enseignante, la voix à cette actrice qui se bat au quotidien pour l'éducation. Vous avez entendu Adjassé Nobu, vous avez entendu Rougiatou, vous avez entendu Ney. En tout cas, on sent que c'est un appel à l'aide par la voix de Adja. Alors, moi, je commencerai d'abord par les féliciter et par féliciter leur mentor et l'association Chant to Live. Je pense, si je ne me trompe, j'ai eu à rencontrer certaines d'entre elles parce que nous avons eu à co-organiser avec Chant to Live un hackathon à la Sonadel. Je ne sais pas si parmi vous trois, Guyatou, Adjassé, Nabou ou Ndaye, si j'avais participé, Ndaye. Oui, j'avais participé à... C'était 3 jours, je pense. Oui. Il y avait 3 jours où on devait faire une formation. Voilà. Il y avait des groupes et des thèmes axés sur l'éducation, l'environnement et tout autre. Ah, oui. Oui, et on devait faire des plans, en fait, pour réaliser une application par rapport au domaine. Oui. Oui. C'était ça. Voilà. Donc, c'était les clubs, les filles des clubs, quelques filles des clubs Sénoum et quelques filles de Chant to Lead. Qui, avec la Sonatel et Women in Africa, avaient organisé un hackathon pour les filles où on leur avait donné les thématiques des ODD et on leur avait demandé de réfléchir sur des problématiques touchant leur environnement et de trouver des solutions qui passent par le numérique à travers des applications. Et on les avait mises en groupe. Alors moi, la première chose que je vous dis, c'est que vous avez de la chance en tant que fille d'être dans ce programme Chant to Lead. Pourquoi vous avez une chance en tant que fille d'être dans ce programme Chant to Lead? Vous avez la possibilité de rencontrer des dames de valeur. Et quand je dis dames de valeur, ce n'est pas seulement dans le cadre de leur travail, mais des dames qui ont des valeurs, qui ont des principes et qui peuvent jouer ce rôle modèle dont parlait Shérif tout à l'heure. C'est une chance qu'il faut saisir. Parce que moi, je trouve que l'un des problèmes majeurs de notre système, c'est que l'école est trop fermée sur elle-même. Ce qui fait que le focus est mis sur les notes et non sur le profil de sortie. C'est-à-dire, à la fin, voilà, j'ai de très bonnes notes, je suis le meilleur ou la meilleure de mon établissement, et puis après, je finis, j'ai mon diplôme,
Je suis très bien classée, mais en réalité, je ne sais même pas ce que je veux faire. Je ne sais pas quelles sont réellement mes potentialités, dans quelle filière je peux vraiment m'épanouir. Ça rejoint ce que Chérif disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ma filière, je la choisis en fonction de moi-même, en fonction de ce que je veux. Parce qu'en fait, même si j'ai un bon boulot, je suis bien payée, mais que je ne m'épanouis pas dans ce boulot, en vérité, au final, je vais m'effriter intellectuellement et voire même physiquement. Et donc, moi, je vous dis que je vous demanderai, je vous exhorte à saisir cette chance que vous avez à travers Chantulit. Je sais que durant les talks, pendant les cours, vous avez eu à rencontrer beaucoup de personnes modèles qui vous ont parlé de leur cursus, qui vous ont parlé de ce qu'ils font et qui devraient vous inspirer. Le deuxième point relatif à quelque chose que Agassé Nabou a évoqué et qui me semble important, c'est le problème des classes intermédiaires. Elle cite les autres, mais elle aussi, elle en est victime parce qu'elle était en première l'année dernière. Et étant en première l'année dernière, elle n'a pas fait des cours. Elle a eu la chance de faire des cours avec Jean Tulit. Et en vérité, moi, en tant que pédagogue et apprenti technopédagogue, je sais que c'était bien, mais pas suffisant. Maintenant, ce qu'il faut que les élèves sachent, et vous en premier, parce que vous avez eu au moins la chance de faire des cours en ligne. L'avantage avec les cours en ligne, c'est que, et c'est sur ce point-là, j'inviterai Chantulit Toulip à bien étudier ça, c'est bien de faire du synchrone. Le contexte culturel sénégalais nous le demande. Nous avons besoin d'un face-à-face, tout à l'heure, à tout l'évoquer. Nous sommes en webinaire, nous nous voyons heureusement avec les caméras. Mais quand c'est un cours, il y a beaucoup d'élèves, le mieux c'est de couper les caméras justement pour ne pas user la bande passante. Du coup, il n'y a pas ce face-à-face, il n'y a pas ce besoin d'interactivité directe que nous avons de façon naturelle, parce que découlant de nos valeurs culturelles. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique, justement, demande des compétences nouvelles. On n'enseigne pas de la même façon en présentiel qu'en virtuel. On n'apprend pas non plus de la même façon en présentiel et en virtuel. Dans l'apprentissage en virtuel, on se doit, Agassé Nabou, de développer des compétences nouvelles. Compétences, malheureusement, que nous ne vous donnons pas à l'école. La première compétence que notre système ne donne pas, c'est l'autonomie. Apprendre tout seul, savoir apprendre. Je parle de ce que le maître m'a donné pour aller vers plus. Et ça, c'est une exigence du numérique. Mais une exigence qui peut être facilement réglée comment? Avec le numérique, on a la possibilité de différencier les apprentissages. Je m'explique. Tout à l'heure, Chérif l'a dit. Quand je fais mon cours, si j'avais Agassé Nabou en classe et que je crée, par exemple, je donne un exemple, une Google Classroom. Avant de venir en classe, je peux envoyer à Agassé Nabou toutes les ressources relatives à mon cours du jour. Et quand je dis toutes les ressources, des ressources que je ne peux pas lui donner en présentiel, je m'explique. Je peux lui donner une vidéo, je peux lui donner un lien, je peux lui donner des images, je peux lui donner du texte. Ce qui fait qu'en fait, selon la façon dont Astou, Agassé Nabou se sent le mieux pour apprendre, si c'est les vidéos qui lui vont mieux, ben, elle peut ne pas regarder les textes, elle peut regarder les vidéos. Si c'est texte et vidéo, elle peut avoir les deux. Ce qui fait que Aïssatou, cette compétence transversale, c'est de savoir d'abord, moi, dans quelle façon d'apprendre je me sens le mieux. Dans quel cadre j'apprends mieux. Nous tous ici, les plus âgés, nous savons que de notre temps, et ça continue avec les jeunes, il y a des groupes de travail. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en groupe. Ils se sentent mieux seuls. Mais il faut le savoir et ne pas aller vers ce que tout le monde fait. Parce que ce que tout le monde fait n'est pas forcément ce qui s'y est pour moi. Donc, la première chose, c'est savoir quelle est la meilleure façon pour moi d'apprendre. Est-ce que, après avoir suivi le prof, j'ai besoin de regarder une vidéo? Je peux aller sur...
sur Télé-école au Sénégal. Je peux aller sur Télé-école. Je peux aller sur YouTube. Je regarde quelque chose qui me permet de compléter ce que le prof m'a donné. Ou alors, j'ai besoin de creuser plus, mais avec un texte. Je peux aller sur un lien et je regarde plus. Et nous, au niveau de Sénon, on en est même arrivé à faire FOMS, qui sert à faire des enquêtes. Nous, nous l'utilisons pour faire des évaluations où l'élève arrive et où l'élève a son feedback immédiat avec un feedback, avec des clés de renforcement pour aller faire vers plus. Donc, pour terminer, les conseils que je veux vous donner, ou pour les résumer, vous avez une chance énorme avec Shine to Lead. Franchement, je salue cette initiative qui est une initiative extraordinaire. Et vous avez cette chance, et vous, en tant que première lauréate de Shine to Lead, vous avez le devoir de prouver que ce programme est excellent parce qu'il l'est. Ce qui veut dire que vous avez une obligation de réussite, sans que ce ne soit une pression énorme sur vous. Vous avez la possibilité de pouvoir vous adresser à des dames de valeur qui peuvent mettre à votre disposition ce dont vous avez besoin dans le cadre de la réussite de vos études. N'hésitez pas à le faire et à vous en servir au mieux. Vous avez compris avec les cours que vous avez eu à faire durant la période de fermeture que le numérique peut être une grande opportunité pour vous. Abusez-en. Que le professeur qui vous a l'utilise ou pas, vous pouvez aller l'utiliser. Apprenez à être autonome, à apprendre par vous-même. Et surtout, comme l'a dit Chérif, n'oubliez pas que le principal, c'est vous. Dans toute chose, même quand on travaille, on doit y ressentir du plaisir, de la joie. Faites les choses comme vous le sentez, pas comme les autres le veulent. Vous aurez toujours la possibilité d'argumenter et de convaincre, notamment quand vous aurez réussi. Astou, voilà, c'est à la fois la pédagogue, la maman qui parle. Merci. Bien beaucoup. Sûr, on a. Merci beaucoup. En tout voilà, cas, je voulais faire une contribution. Bien sûr, bien sûr. Par bien rapport sûr. À cela. Allez, en tout cas, la parole est à vous. Moi, je suis juste là maintenant. La parole est à vous. Prenez-la. Oui, parce que comme l'a si bien dit Madame Lay, nous avons tendance à apprendre pour des notes, pour avoir de bonnes notes, et puis c'est fini. On a tendance à oublier l'avenir, à ne pas s'attarder à ce que nous avons appris, comment ça peut nous être bénéfique. On a tendance à faire ça, nous les élèves, j'avoue. Et c'est vraiment décevant. C'est vraiment une pratique qu'on fait tout le temps et c'est pas vraiment bien. Et franchement, j'avoue que nous faisons. Et puis voilà. Et puis j'aimerais aussi appuyer sur les propos de Monsieur Chérif qui a confirmé que c'est nous avons eu à avoir besoin que la COVID vienne pour qu'on ait un réveil de conscience par rapport au numérique, à l'apprentissage via l'internet et tout ça, parce que nous les élèves nous avons longtemps eu cette opportunité, cette chance. Par exemple, c'est-à-dire des fois même nos professeurs nous le font savoir et nous disent que voilà, nous quand on était jeunes et qu'on étudiait, on n'avait pas toutes ces chances, on n'avait pas la chance d'utiliser Internet comme bon nous semble, d'avoir toute cette opportunité, cette chance. Nous n'avions pas cette chance. Et vous avez cette chance, mais vous ne la saisissez pas. On ne s'intéressait pas trop, on ne s'attardait pas trop à ces propos. Et on a eu besoin que la COVID vienne pour qu'on ait un déclic et qu'on pense à cela. Comme par exemple avec les cours en ligne. Parce que moi, franchement, je ne savais pas qu'il était possible de faire des cours en ligne. Et franchement, avec Shine to Lead, avec les cours en ligne pour les cours de vacances, pour rattraper l'année qu'on n'a pas eu à achever, et puis pour les cours en ligne pour la classe de terminale, ça m'a été très bénéfique. Et puis, j'ai vraiment adoré ce concept parce que moi, franchement, malgré que
Il y en a certains élèves qui n'ont pas pu, que ce n'était pas facile pour eux pour suivre les cours à distance. Ce n'était pas vraiment facile, comme l'a si bien dit Mme Lay. Chacun avec sa technique pour apprendre. Certaines peuvent apprendre en groupe, d'autres non. D'autres peuvent apprendre à distance, d'autres peuvent apprendre quand on est face en face. Moi, perso, ça m'a vraiment aidée. Moi, j'ai vraiment aimé et je me suis vraiment ressourcée. Comme par exemple en sciences physiques, avec les couples oxydation-réduction, je ne comprenais vraiment pas ça en classe. Et puis, avec les cours de physique-chimie via les cours en ligne, c'était super. J'ai pu tout comprendre. Les gens, des fois, ils ne comprennent pas quand il y a quelqu'un qui vient et te touche sur ton téléphone avec tes écouteurs et ton cahier, tu es en train de prendre note et tu dis là, donc toi, tu es en train d'apprendre comme ça. Ça leur surprend, en fait. Mais en fait, on a cette chance, mais on ne la saisit pas. On ne la saisit pas bien. Pour moi, les cours en ligne, c'est vraiment fantastique. Et puis, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aga Seynabou. Désormais, donc, il faudra saisir au maximum cette chance-là. Rougiatou, d'accord, vous avez une question pour Tata Maïmouna. Allez-y, Rougiatou. Et tout à l'heure, Massamba va réagir par rapport à l'appel de Aga Seynabou. Rougiatou, à vous la parole. Oui, ma question est de savoir quel rôle doit jouer le numérique dans la redynamisation et la relance de l'éducation pour la génération COVID. Astou, c'est adressé à moi. Allez-y, je pense que la question s'adresse directement à vous. Elle dit quel rôle doit jouer le numérique dans la relance et la redynamisation de l'éducation, principalement pour la génération COVID. Alors, pour répondre à cette question, je vais juste, si vous le permettez, en fait, ce n'est pas une anecdote, vous parlez d'une chose. Moi, j'enseigne depuis 20 ans. J'ai commencé à enseigner en 1999. Et au moment d'enseigner, j'avais ma maîtrise en lettres modernes. Comme mon premier poste, c'était Kaolack, c'était assez difficile pour moi de vous venir faire, en fait, un troisième cycle. Et grâce au numérique, aujourd'hui, je peux prétendre à un troisième cycle. Je m'explique. Quand l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, a lancé son premier master professionnel, c'est-à-dire donc ouvert aux personnes qui ne sont pas des étudiants, qui ne sont pas de nouveaux bacheliers, moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion non seulement pour reprendre mes études, mais pour virer complètement. J'ai fait une spécialisation en grammaire à l'université à l'UQAT et à l'UVS, je fais sciences de l'éducation et options technologies éducatives parce que justement, depuis 2016, je suis en plein dans le numérique et j'ai compris que le numérique, c'est vraiment une opportunité pour l'éducation et je me suis dit, ben, la meilleure façon de le prouver, c'est de devenir moi-même, en fait, disons, une bonne pratiquante de ça. Donc, j'ai fait mon master 2 en sciences de l'éducation. Les seules fois où je suis allée en présentiel, c'était pour faire mes examens. Tous les cours se faisaient en ligne. J'ai fait tous mes cours en ligne. Et même ma soutenance, c'était en ligne. J'ai soutenu mon mémoire en ligne avec des professeurs qui étaient, l'un était en France, l'autre était au Canada. Et j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise, de master 2. Sur justement un thème qui nous intéresse particulièrement à Astou, l'acceptabilité des cours en ligne dans le système, dans le secondaire, dans le contexte culturel sénégalais. Rougiatou, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais c'est une façon de te dire, moi je suis convaincue, Massamba, Chérif ne me démentiront pas, depuis que le COVID nous a envahi, tout le monde a compris que le numérique il est incontournable et pas que dans l'éducation, dans tous les secteurs. Vous voyez le e-commerce actuellement qui flambe partout. Les gens s'adaptent et à nous de nous adapter. Mais cette adaptation au niveau de l'éducation devra forcément être accompagnée par les institutions en charge de l'éducation et de la formation.
Au niveau de la formation professionnelle, ils ont une plateforme qui s'appelle eDiang. C'est une plateforme dédiée à la formation professionnelle. C'est une plateforme du ministère et qui vise justement à l'utilisation du numérique pour la formation professionnelle. Maintenant, tout ça, c'est bien beau. Le CIMEN est là, l'UVS est là, l'UCAD va vers le bimodal. Mais tout cela installé, sans enseignants bien formés, sans élèves bien formés, ça risque d'être réduit à néant. Et non seulement il faut de la formation, mais il faut un accompagnement au changement, parce que c'est un changement radical. Quand pendant 20 ans, j'enseigne en étant devant mes élèves, en pouvant leur dire « tais et vous sortez », et que là, on me dise « c'est en virtuel », je ne suis même pas certaine que mon élève qui est connecté est bien devant moi. Peut-être qu'il est connecté, mais qu'il est loin. Quitte de la discipline, quitte de l'évaluation qui pose problème. Donc, c'est un vrai changement. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et ça, ce n'est pas évident pour tout le monde. Moi, personnellement, je comprends parfaitement l'appréhension des collègues qui hésitent à aller vers le numérique parce que l'inconnu fait toujours peur. Maintenant, c'est aux institutions d'accompagner de façon très douce et non brutale. Et c'est pour cette raison que moi, je m'attendais très franchement cette année à ce que, dès le départ, on soit dans un système hybride avec un taux fort de présentiel et 70% ou 80% de présentiel, 20% de virtuel, pour nous préparer déjà éventuellement aux appréhensions de Adiassé Nabou. Peut-être que, vu les cas qui augmentent de jour en jour, des virus qui deviennent plus virulents de jour en jour, qu'on n'en soit pas, qu'on n'en arrive pas à un moment où on se dit oui, il faut arrêter les cours, mais sans avoir rien prévu en amont. Parce que l'infrastructure seule ne suffit pas. Une plateforme seule ne déroule pas de cours. Il faut des enseignants formés et des élèves formés et tous les deux préparés à affronter ça. Et Astou, tu as dû le vivre, les parents, quand le cours se fait en ligne, leur implication est obligatoire pour que ça marche. Donc, encore une fois, je le répète, ces trois acteurs, il faut qu'ils soient là et accompagnés par les différentes institutions. Merci beaucoup. Merci. J'allais donner la parole un peu à Massamba par rapport à l'appel de Adja, mais allez-y, chérif Massamba va prendre la parole tout à l'heure. Une minute pour bien sûr, allez-y. Ce que Madame Ley a dit, au-delà même de la pandémie, ça veut dire qu'on est dans un pays à revenus très modestes et où, en termes de dividendes démographiques, on a une croissance des jeunes, donc qui occupent quasiment 60% de la population. Ce qui fait que l'éducation nationale, le ministère n'a pas les moyens forcément de construire des bâtiments partout. Cependant, la seule alternative pour moi crédible qu'on a, c'est forcément le numérique. D'où le fait de dire « Ok, on va prendre 20% du quantum horaire, le transformer donc en cours en ligne et y aller de manière graduelle. Peut-être dans 5 ans, on sera donc du 80% en numérique et 20% en présentiel. Avec COVID ou pas, pour moi, c'est la vraie réponse qu'il faudrait donner. » Donc, à ce problème donc de l'éducation avec les abris provisoires, les classes qui sont surpeuplées, des enseignants forcément qui n'ont pas, excusez-moi, on a d'excellents enseignants, mais il y a des enseignants également qui n'ont pas forcément le niveau. Le fait de dire qu'on n'a pas assez d'enseignants en sciences physiques, en mathématiques, en philosophie et autres, le numérique le règle, parce que tu as un enseignant qui est capable de donner un excellent cours est suivi par des milliers de personnes en un temps record. C'est ce que je voulais dire. Donc, finalement, le numérique
c'est la solution et nous n'avons pas le choix. Il faut s'adapter impérativement pour continuer à exister. Merci beaucoup et continuer à exister, être au rendez-vous du donner et du recevoir, comme disait Léopold Sédar Senghor. Maintenant, Massamba, la parole est à vous. Vous avez écouté l'appel de Adja, sa réaction. En tout cas, on sent qu'elle a peur. Elle a peur de ses lacunes traînées. Elle a peur de ses heures perdues. Et la peur de l'inconnu, finalement. De quoi demain sera fait, se demande-t-elle, et pour elle et pour les autres. Oui, oui, merci. Merci. Donc, j'ai bien écouté les différentes interventions et je pense que vous avez déjà donné la piste de solution. Hein, s'il faut enlever le stress pour chasser le stress, il faut le faire. Alors, pourquoi il faut pas avoir peur, je pense que, mais quand même c'est légitime, hein, parce que quand le paradigme change, il y a certaines pratiques, il y a certaines réalités qui changent. D'abord vous dire, regardez bien les résultats scolaires que vous avez obtenus, évidemment qui ont fait objet à beaucoup de polémiques, mais moi je suis convaincu d'une chose, le numérique a permis de booster le résultat simplement, parce qu'avec le numérique, on a eu un gain de temps énorme sur le quantum horaire. Et très rapidement, regardez un élève qui quitte chez lui le matin. Il est dans un bus, arrivé à l'école, le temps d'entrée, l'enseignant qui doit faire un cours, les ratés qu'il y a, etc., etc. Souvent les absences d'enseignants, etc. Et tout cela, avec le numérique, vous vous rendez compte que l'enfant se réveille, il prend son petit déjeuner, il est très en forme. Il était devant une machine ou devant un écran de télé et rapidement, il apprend. Ça veut dire que là où on perdait presque 4 heures de temps, en 2 heures de temps, l'enfant presque... Parce que si vous prenez le temps d'études réelles dans la journée, de 8 heures peut-être à 16 heures, 17 heures, vous vous rendez compte qu'on est presque à plus de combien de temps? Plus de 6 heures de temps peut-être. Alors qu'avec le numérique, quand vous restez à la maison ou en tout cas quand vous travaillez avec le numérique, vous avez un gain de temps. Ça, c'est déjà un premier point pour vous rassurer que vous aurez continué vos études et de façon très pertinente avec le numérique. Alors, vous avez aussi trois choses moi, que je voulais concentrer sur cette intervention. Vous avez ce qu'on appelle des opportunités. Les opportunités, c'est l'environnement aujourd'hui qui a beaucoup changé avec les TIC. Ça, je pense que, en tout cas, nous autres, Astou, pour ne pas me démentir, Shérif, Mouna, quand nous, on était en troisième, en seconde, on n'avait pas ces opportunités de pouvoir comprendre un cours avant même que l'enseignant ou le professeur ne le déroule le lendemain. Et vous avez cette possibilité. Ça, c'est des... Massamba, apparemment, quelques soucis avec la connexion de Massamba. Massamba qui répondait à l'appel de Adja Seynobo. Vous êtes là, Massamba? Une chose, donc, l'intérêt du numérique. Une politique, c'est quoi? C'est que le président de la dans ce conseil, les autorités sénégalaises, les programmes scolaires sont en train d'être réorientés. Dans ces programmes, vous avez aussi aujourd'hui la création de lycées spécialement dédiés aux sciences et aux humanités. On peut parler du lycée scientifique d'excellence de Djourbel, qui a déjà fait ses preuves. Vous avez aussi, par exemple, des écoles qui vont naître, qu'on appelle les LINEC, les lycées d'équité nationale, okay, d'intégration et d'équité nationale. Ça, c'est des lycées qui spécialement vont être presque orientés sur l'enseignement des sciences et en tout cas de l'excellence. Donc, voilà des opportunités qui existent. Les initiatives. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit en démarrant. Le COVID nous a permis, au moins, dans le cadre d'apprendre à la maison, de beaucoup utiliser le numérique, mais surtout les médias. Et c'est le Sénégal, aujourd'hui, qui a eu l'opportunité d'avoir une télévision grâce, je ne dis pas grâce peut-être au COVID, mais en tout cas avec l'avènement du COVID. Et cette plateforme va continuer à rayonner pour les élèves, non seulement pour donner des cours très sélectifs, avec des professionnels, avec véritablement des enseignants expérimentés, mais ça va être accompagné de plateformes numériques qui vont vous permettre de regarder le cours. Et tout à l'heure, je pense que Maïmouna l'a dit, il faut que le parent soit impliqué, il faut que l'enseignant soit impliqué, il faut que l'élève soit impliqué. Mais ces plateformes et ce canal éducation, ces télévisions, ces plateformes vont permettre donc une certaine synergie au sein de la famille pour pouvoir suivre un cours. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant.
Au-delà de ce canal, l'éducation nationale, l'État du Sénégal est en train d'organiser toutes les interventions dans le téléenseignement à travers un projet qui aujourd'hui va démarrer au moins avec plus de 3 ou 4 milliards de francs CFA. Et dans ce projet, tout ce qui est prévu, c'est véritablement de booster la connectivité, c'est promis. Alors, les enseignants vont recevoir des formations, ils vont recevoir énormément de matériel et d'outils sous forme de tablettes. Les élèves vont avoir également des outils pour le numérique. Et en plus de cela, les partenariats vont être scellés pour que, parce que le vrai problème qu'on avait à l'époque, c'était la connectivité. Aujourd'hui, avec les différentes firmes téléphoniques, l'État du Sénégal, le ministère, est en train de sceller un partenariat qui va transporter carrément l'Internet jusqu'au fin fond des localités les plus éloignées. Et je pense que ça va un peu aussi aider à lever peut-être les obstacles qu'il y avait au départ. Vous avez aussi China to lead, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Cette chance que vous avez, il faut la saisir. Vous avez aujourd'hui des opportunités énormes, parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure, en vous écoutant, en vous avoir déjà rencontré, j'ai compris que la formation que vous recevez est en train véritablement de booster vos connaissances et est en train aussi de vous positionner sous forme de leader. Et regardez bien, il y a des attentes que votre pays a, parce que le contexte aujourd'hui est que vous devez aller vers les sciences irréversiblement, parce qu'il y a des besoins énormes. Vous avez un pays qui aujourd'hui découvre du pétrole, vous avez un pays qui aujourd'hui a besoin d'ingénieurs. On ne peut pas continuer à exporter ou en tout cas à aller les chercher à l'étranger. Les opportunités que vous avez également, comme on l'a dit, c'est vraiment ce que le numérique vous offre. Ce qu'on est en train de faire là, je pense que ça fait partie des cours qu'il faut comprendre. Pas seulement l'enseignant qui enseigne, mais dans votre formation de leader, dans votre formation de jeune entrepreneur, vous avez déjà ces opportunités, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la formation professionnelle, que ce soit au niveau de l'université, le paradigme est là. Nous sommes aujourd'hui condamnés à vivre avec le numérique et vous avez cette chance, en tant qu'élève, de pouvoir être en contact avec des professeurs, être en contact avec N professeurs dans le numérique. Parce que ça aussi, cette diversité vous permet d'abord, comme elle l'a dit tout à l'heure, Seynabou, vous pouvez être dans la classe, faire votre cours. Si vous ne comprenez pas, vous avez encore au moins 3, 4 ou 5 ou 6 N professeurs qui font le même cours et qui vont vous permettre de comprendre, de réécouter, de revenir. Donc, ne soyez pas du tout peur, n'ayez pas peur du moins. Vous avez l'accompagnement de votre État, vous avez l'accompagnement de tous ses partenaires, mais vous avez aussi toutes ces opportunités vraiment d'exceller. Merci beaucoup, Massamba. Maintenant, nous allons donner la parole à Ndeye. Ndeye, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, Ndeye. Maintenant, à vous la parole. Vous avez une question, une contribution. Allez-y, je pense qu'on a entendu l'appel d'Adia Seynabou. Aussi, il y a eu la préoccupation de Rougiatou. Vous aussi, nous souhaiterions entendre votre voix par rapport à ces craintes, à ces doutes, à toutes ces appréhensions qu'il y a autour de l'année scolaire, la présente, mais aussi de celle passée. Bon, je dirais véritablement que je pense que la solution, elle est là, en fait. Comme on si bien dit, nos tontons et notre tata ici, notre maman, je dirais, Madame Ley, et c'est le numérique, en fait. Je le pense vraiment, mais je pense aussi que pour les élèves, surtout les élèves en classe d'examen, il y a les doutes ou bien la pression, le stress, ça arrive en fait parce que déjà il y a le stress de ce qui nous attend à la fin de l'année, l'examen est là, déjà il y a la pression sociale et surtout c'est la pression sociale en fait. S'il n'y avait pas cette pression-là, je pense qu'il y aurait moins de stress et tout. Mais je pense que du côté des parents d'élèves aussi, il faudrait aussi qu'il y ait des gens en fait qui a discuté avec eux, les sensibiliser par rapport à ça, pour que les élèves puissent faire leurs études sans pour autant avoir autant de stress le matin en allant à l'école, et aussi le stress, la pression. Parce que je pense que cette pression, peut-être ça vient aussi des études et tout, mais la bonne partie de la pression, elle vient en fait de la famille et de la société. Donc c'est ça que j'aimerais dire en fait.
Bien sûr. Chérif, vous avez aussi entendu la voix de Ney. Il y a cette pression sociale qui pèse sur les élèves, le regard de l'autre, le regard du voisin, le regard du parent, le regard du proche. Et la maman, le papa qui dit il faut réussir coûte que coûte. Merci. Hein. J'ai bien entendu Ndaï. Effectivement, notamment quand on est en classe de terminale, c'est la seule classe où quand tu y es, je veux dire, tout le quartier sait que tu dois passer le bac. Quand tu es en classe de maîtrise ou en année de maîtrise, les gens sont, je veux dire, ils ne s'intéressent même pas à ce que tu fais. Mais la terminale est une classe spéciale au Sénégal. C'est déjà une pression. L'autre pression que vous avez, c'est que vous êtes également dans une classe de terminale scientifique. S1, qui est hyper rare pour certains, parce qu'on a des localités où on n'a même pas de terminale S1. Il y a des lycées où cette classe n'existe pas. Vous avez juste la terminale S2, voilà, ou bien les séries littéraires. Maintenant, le conseil que je donne, en tout cas à ce genre de propos, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie sans pression non plus. Aujourd'hui, en termes d'emploi, ça veut dire moi, en tant que recruteur, quand je recrute un collaborateur, c'est de voir si la personne peut travailler sous pression. Et vous le verrez partout. C'est-à-dire, c'est un critère. Quelqu'un qui ne sait pas travailler avec pression ne peut pas intégrer une entreprise. Donc, dites-vous que la pression vous entoure. Cependant, il faut essayer d'être le plus positif possible. Ça veut dire tout ce qui est onde négative, il faudrait s'en débarrasser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, rester focus. Ça veut dire quoi? Vous avez un objectif. Cet objectif-là, je veux dire, la motivation première doit venir de vous. Ça veut dire que ce n'est pas les autres qui doivent être plus motivés que vous-même. Vous comprenez pourquoi est-ce que vous devez apprendre? La seule chose que vous devriez faire actuellement, c'est apprendre. C'est pas autre chose. Donc, écartez toute personne, en tout cas, qui vous met une pression supplémentaire que vous ne pouvez pas supporter. Okay? La pression, elle nous entoure. Ça veut dire plus vous avancez en âge, plus vous aurez donc des pressions. Ça peut ne pas être financière ou truc, mais le fait déjà, je veux dire, d'être un responsable, c'est une pression. Si vous voulez donc grandir, n'ayez pas peur de la pression, mais essayez de transformer donc ces ondes négatives. Donc vous voulez vous en débarrasser et restez positif, restez concentré sur votre personne pour pouvoir aider autrui. Merci. Merci beaucoup, chérie. Peut-être en une minute, parce qu'il ne nous reste beaucoup, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il nous reste juste, je pense, 5 minutes. Peut-être, chérie, revenir un peu sur le numérique et aussi par rapport à certains freins. Parce qu'aujourd'hui, on parle du numérique, mais la question se pose, est-ce que le numérique, c'est possible à Fongelemi, c'est possible dans mon village, à Malikunda? Il y a ces paramètres-là, l'électricité, la connexion qui reviennent souvent. Est-ce qu'il y a moyen de contourner tous ces freins-là? Peut-être en une minute et après, Massamba et la doyenne Maïmouna vont réagir parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Tout à fait. En fait, des solutions existent et aujourd'hui, je pense que le numérique, ceux qui sont en tout cas dans le secteur, font énormément de recherche et développement pour essayer de démocratiser nos process autant que faire se peut. Aujourd'hui, les opérateurs doivent jouer le jeu. Quand j'ai joué le jeu, c'est de dire, OK, avec l'effort de guerre qui est déclaré, il faudrait que les ressources numériques puissent être des ressources libres et gratuites. Ça, ils peuvent le faire. Ça veut dire, ils disent, OK, avec notre RSE, on va supporter de telle sorte que l'élève ou l'étudiant qui a besoin d'un cours avec zéro data, ça veut dire qu'il n'y ait pas de données, qu'il ait accès à ces cours-là. Nous, on l'a expérimenté. Je ne vais pas citer l'opérateur, mais après, on a été vite saturé
pendant la pandémie. On a signé une convention avec un des opérateurs, mais il fallait voir. Ça veut dire que nos serveurs étaient en train de cracher, tout simplement parce que la demande, elle était forte. En tant qu'une entreprise sociale, je veux dire, à revenu modeste, on ne peut pas supporter ça. Mais les opérateurs, eux, ils peuvent l'intégrer. C'est comme ça, je veux dire, qu'on un pays. Parce que le levier de développement, le premier levier de développement d'un pays, c'est l'éducation. Sans éducation, tu ne peux pas avoir des ingénieurs. Sans éducation, tu ne peux pas avoir des médecins. Sans éducation, tu ne peux pas avoir de bonnes routes. Sans éducation, tu ne peux pas gérer tes ressources. Donc, il est important que les opérateurs également jouent le jeu. C'est dire, OK, on n'est pas là juste pour nous faire de l'argent. On peut aider donc en contrepartie. Il est possible, effectivement, d'avoir avec des boîtiers. Oui, il est possible aujourd'hui des localités où il n'y a pas forcément, je veux dire, Internet, où il n'y a pas forcément de l'électricité, d'avoir accès à des ressources. Moi, j'ai un boîtier que je vous ai montré la dernière fois. Ce boîtier-là est un boîtier solaire. Ça veut dire que ça se recharge grâce au soleil, mais également, c'est un boîtier qui transmet les ressources donc sur un rayon de 30 mètres avec 100 personnes qui se connectent sans pour autant qu'il ait un bug. Bon, c'est des choses que je ne peux pas exposer comme ça au public parce que ça n'arrange pas certaines personnes, mais les ressources et les initiatives existent si on veut vraiment aider. Je donne la parole à d'autres. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole à Massamba par rapport à cette préoccupation de Ndeye avant de finir avec la doyenne. Aussi, finir avec elle parce que, bon, c'est sûr que les filles aimeraient entendre la voix encore de l'enseignante, certes, mais de la maman pour les rassurer par rapport à cette pression sociale que nous vivons tous, Massamba. Massamba? Ah, je réactive mon micro. C'est bon? Voilà. Oui. Donc, je disais que Chérif a fait déjà une très bonne conclusion. Tout ce qu'il faut retenir, c'est peut-être continuer à inviter l'État aujourd'hui, véritablement aussi, qui est garant de l'éducation. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans une région, on est dans une localité, qu'on n'a pas droit à une éducation. Ça, je pense que l'État comprend bien. Il faudrait que les infrastructures qui nous permettent d'avoir une connexion partout soient réalisées partout. Je pense que ça, c'est fondamental. C'est l'État qui doit véritablement faire les efforts parce que c'est lui qui a la grande machine. Aller également, comme l'a dit Chérif, avec les partenaires et les expertises qu'il y a, essayer d'avoir des connexions libres. Moi, je me rappelle, comme l'a dit Chérif, avoir fait l'expérience au Togo ou au niveau de l'université. Par exemple, dans toute la sphère, vous n'avez pas besoin d'Internet pour vous connecter. Il y a juste une infrastructure qui vous permet, dès que vous êtes sur le point, vous pouvez déjà avoir l'Internet téléchargé et véritablement pouvoir faire tout ce qu'il faut faire. Inviter également tous les acteurs, parce que je pense que, comme on l'a dit, l'éducation est prioritaire. Aujourd'hui, les entreprises fonctionnent parce que simplement ils ont des cadres, parce qu'ils ont des ingénieurs, parce qu'ils ont des agents qui ont été formés dans nos écoles. Ces entreprises-là se doivent de revenir et réinvestir dans l'éducation des jeunes. Il faut qu'on crée cette synergie pour que partout, les gens qui ont des possibilités de retourner à leur école, aider ces jeunes filles, aider ces jeunes garçons à être demain des relais, il faut le faire. Il faut qu'on retourne à nos écoles, aider nos écoles avec le peu que nous avons, créer cette synergie, mettre toutes les forces vives pour que nos écoles puissent avoir de la connexion. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique, nous sommes obligés, nous sommes aujourd'hui condamnés à vivre avec le numérique. Et l'éducation sera de qualité quand on mettra le numérique à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup. Ndeye, apparemment, tout à l'heure, vous aviez une préoccupation avant de donner la parole à la doyenne Maïmouna. Ndeye? Oui, en fait, c'était par rapport à ce que disait tonton Chérif par rapport à la pression. Donc, si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire par là, c'est en fait qu'au lieu d'avoir peur de la pression, il faut pas que la pression soit un frein, en fait, à notre vie. Ça doit être, on doit transformer cette pression de telle façon que, au lieu de devenir un frein, ça devienne un véritable moteur de vie. C'est ça que je voulais rajouter.
Merci beaucoup. La pression doyenne Maimouna, elle doit devenir une source de motivation, si je comprends bien les propos de M. Ndiaye, Chérif et de Ndeye. Oui, exactement. Ndeye a bien compris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pression, qu'elle vienne des parents, quel que soit l'entourage, c'est une pression normale, naturelle. En fait, quand toi, Ndeye, tu te prépares à faire le bac, ta maman, même si elle n'a jamais été à l'école, c'est comme si c'est elle aussi qui faisait le bac. Moi, je me rappelle, parfois, on était en délibération, en pleine délibération, un professeur qui est en même temps parent d'élève et donc dont on délibère pour le fils ailleurs, mais en fait, il délibère de façon très, très relaxe pour les enfants des autres, mais quand il pense à son propre enfant, mais c'est autre chose, parce que là, ce n'est plus le professeur, c'est... Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et comme l'a dit Chérif, positiver. C'est-à-dire que la meilleure façon de s'en sortir, c'est que tout ce qui vient, et notamment ce qui vient de l'extérieur, faire de sorte que ça ne n'impacte pas de façon trop négative sur toi. Que tu gardes, que tu aies confiance en toi. Tu es élève, tu as fait tout ce qu'il faut pour réussir à ton examen. En ton âme et conscience, tu le sais. Tu n'as pas besoin que d'autres te le disent. Tu le sais toi-même. Donc, tu vas à l'examen en toute confiance, en te disant que tu as fait ta part. Mais il y a une part qui appartient au divin. C'est-à-dire que tu peux faire ton examen, tu verras des gens qui n'ont pas bien travaillé à l'école, mais le jour de l'examen, ils réussissent. D'autres qui ont excellemment travaillé toute l'année et qui échouent. Un autre qui travaille, qui fait son examen, qui réussit et puis malheureusement, on ne le souhaite pas, décède avant même qu'on donne les résultats. Il y a toujours une part qui nous échappe, qui ne nous appartient pas. Notre rôle, c'est de faire notre part. Voilà. Maintenant, par rapport aux freins, je ne reviendrai pas sur ce que Massamba et Chérif ont évoqué. L'outillage, la connectivité. Moi, le principal frein pour moi, contre lequel il faut lutter. Parce que même si on arrive à endiguer les autres, ça risque d'être le frein principal. Je veux dire, si on a les outils, si on a la connexion, la connectivité, mais que les enseignants ne sont pas formés, les élèves ne sont pas formés, ça revient, c'est du néant en fait. Ça, c'est un premier frein, c'est la formation des enseignants, de tous les enseignants. Le deuxième point pour moi, c'est qu'il faut que le système éducatif change un peu, qu'on s'ouvre au monde. On parle d'école d'élite, d'école d'excellence, mais ces écoles, le plus souvent, forment des gens qui, après, ne sont même pas préparés à s'intégrer, je ne dis pas à l'entreprise, mais même à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle. Ils ne sont pas outillés parce qu'ils ont toujours fait focus sur les notes. Que veulent-ils faire après? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire? Ils ne savent pas. Ça, c'est un autre point. Le dernier qui me semble important lorsqu'on parle du numérique, et ce quel que soit le secteur, et en particulier dans le secteur de l'éducation, c'est la protection des enfants en ligne. Le numérique, ce n'est pas que du bon. Le numérique, c'est un couteau à double tranchant. Et un couteau, on en a toujours besoin. Astou ne va pas dire, le couteau, c'est dangereux pour mes enfants, je n'en aurai pas. Parce qu'il en a besoin dans sa cuisine. Les enfants le prennent parfois pour couper le pain. Mais il faut les préparer, les outiller, les sensibiliser, les former pour qu'ils évitent le danger du couteau et qu'ils utilisent le couteau le mieux possible. Donc, si nos institutions en charge de la formation et de l'éducation s'engage résolument vers le numérique, en parallèle, il faut la formation, il faut également la protection en ligne et pour ça, il nous faut une souveraineté nationale par rapport à nos données. Merci. Merci beaucoup, Madame Leye Maimouna Diakhaté, en tout cas, merci beaucoup, vous l'avez bien dit, le numérique, oui, mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte et finalement, c'est l'affaire de la communauté. Il faut un tout pour faire un monde. Il faut un engagement de tout un chacun. L'éducation, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, des communautés, ce n'est pas seulement l'affaire des ONG.
finalement, c'est l'affaire de la communauté. Chacun peut apporter sa pierre pour que nous puissions bâtir une école solide. Car comme le disait, je pense bien, c'est Victor Hugo. Si ce n'est pas le cas, il faudra corriger. Construire une école, c'est fermer une prison. Je pense que c'est bien ça. Et nous avons cette obligation-là d'accompagner l'école sénégalaise, car nous en avons besoin. Et aujourd'hui, si on voit Adia, si on voit Ney, si on voit Rugiatou, on sent qu'il y a encore de la bonne graine, il y a encore de la qualité. Dans ce pays, ces enfants ont besoin d'être accompagnés. Alors, faisons-le pour eux. Car pour nous aussi, à un moment donné de la vie, quelqu'un nous a tendu la perche, raison pour laquelle nous sommes là. Faisons-le pour les autres. Maïmouna, vous le faites très bien. Chérie, vous le faites très bien. Massamba, vous le faites très bien. Et Shine to Lead à travers Madame Naye Batili aussi. En tout cas, saluer l'engagement de tous ces gens-là. Mille merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Et aussi, Naye Adja, c'est Nobu, très bon courage. Rugiatou, vous êtes les meilleurs. Il faut rester meilleurs et aller au bout. Pensez à papa, pensez à maman. Il se sacrifie énormément pour vous, pour nous. La meilleure façon de dire merci, c'est de réussir et que la nuit, qu'il puisse dormir tranquille et faire de beaux rêves. En tout cas, excellente journée. Merci pour votre attention, votre disponibilité, votre solidarité. Yalla leni yalla fey. Excellente journée à vous. Merci, merci aussi à vous, chers internautes. Ce fut un plaisir d'être là, une belle expérience aussi, une villageoise qui s'essaye au TIC. Il y a forcément des manquements, mais nous allons essayer d'améliorer au fur et à mesure. Merci à tous, c'était un plaisir. Merci, merci, bye bye. Merci beaucoup. Merci la villageoise. Non, non.